أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, salam, salam, salam. J'espère que vous allez bien. C'est Mouna, Madame Diaby. Donc, je viens de finir une classe de 5 jours avec un groupe de Facebook qui s'appelle Discover You. C'était formidable. C'était formidable. Je n'avais jamais vu ce genre de programme là auparavant. Il existe il y a assez longtemps, je pense. Moi, j'avais jamais vu. Donc, c'est vraiment formidable. Les soeurs qui comprennent l'anglais, je vous encourage vraiment d'aller les voir, prendre des cours avec eux. Ça, c'est, ils offrent différents programmes. Moi, j'ai participé à 5. Parce qu'ils nous ont donné 5 jours pour nous introduire les différents programmes qu'ils avaient. C'était incroyable. C'était incroyable, incroyable. Vous savez que moi, je dis toujours que je parle rapidement, je m'énerve vite, j'aime pas foutaise. Donc, vraiment. C'est incroyable. Je suis un peu envieuse. Je suis envieuse très rarement. Je suis envieuse très, 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 très rarement. Je suis vraiment envieuse. Pas jalouse, c'est quand même un peu fort. Mais j'étais vraiment proud. I'm very proud of the job that you're doing. I'm very proud of what you're doing. And then, je leur ai dit ça, je leur ai dit si vous pouvez vraiment prendre ce qu'ils font. Mais dans ma communauté, j'allais le faire. Si je pouvais prendre ce qu'il faisait et mettre dans ma communauté, j'allais le faire. Donc, je veux vraiment connaître autant de choses que je peux pour vraiment vous apporter, pour vraiment pour aider nos soeurs vraiment à mieux dire des différents issues in their life. Like, à mieux overcome la tristesse, la jalousie, l'envie. You know, comment il faut bien ouvrir la soirée, comment il faut aimer la soirée dans là. Pas seulement écouter les prêches. Donc, mais là-bas, eux, là-bas, franchement, on te dit, je vous donne un exemple comme cela. Moi, mon issue, c'est quoi? Mon problème, c'est que je suis rapide, en fait. Je suis rapide, je n'articule pas, et quand quelqu'un me fait quelque chose, je réagis automatiquement. Tu vois, et je sais que ce n'est pas la bonne manière de faire. Vous voyez, c'est pas la bonne manière de faire. Mais ça va quelque chose, puis mettre en pratique, c'est pas facile. Avec l'inter, quoi. Mais là-bas, avec les soeurs, là-bas, en plus, c'est un groupe qui est privé. La conversation reste privée, tout est privé. Tu es mon cloyer, quoi. Mais anyway, parce que quand tu rentres dans le groupe, tu exposes ton problème. Maintenant, les gens, tes soeurs là-bas, ils viennent t'aider. Donc, comment j'ai posé mon problème, je suis nerveux, je m'énerve très rapidement. Elle m'a dit comme ça, un jour à son programme. Les 5 jours, j'étais gratuit. Mais après 5 jours, tu as l'opportunité de continuer et de payer. C'était vraiment incroyable. Donc, merci de comprendre l'anglais. Je vous encourage vraiment d'aller les voir et prendre cours avec eux. Voilà. Ça va vraiment vous aider. Un warco bala quoi. Ça va vous aider. Donc, moi, vous savez que je m'énerve vite. Je dis ça, je pars rapidement. Et puis, je dis toujours que, je pointe mes défauts quoi. Voilà. Vous avez bien de savoir ces défauts, mais dans la classe, nous avons vraiment dit qu'on a une étiquette noire, elle est là quoi. Je suis comme cela, je suis triste, je suis malheureuse, je suis nerveuse. Avec joy quoi. Donc vraiment, et puis maintenant, ils sont tristes. En tout cas, c'était incroyable. Incroyable. Elles m'ont dit comme ça, elles m'ont dit que je sais que j'ai un problème d'émotion. Je sais que j'ai, dans la vie là, un B, un problème B quoi. C'est pas tout le monde, tous nos défauts, nos liabilities. We all have our challenges in life, right? We all have life challenges. We all have different issues in life. Not everybody is perfect. I know that, you know. Donc moi mon issue vraiment c'est l'impatience. Voilà. Donc ah, c'est le blanc et le temps quoi. That's how I label myself. And this is very bad. I shouldn't put that ugly label myself. You know, I want to be patient. I am patient. Just this area I have issue with. I'm patient. And somebody told me that few years ago that you are very patient. You are able to do this ad making videos. On fait des vidéos chaque jour pendant 14 ans. Ça dépend probablement de beaucoup de patience et d'énergie pour faire. Tu as patience. C'est seulement que émotionnellement, c'est pas assez mal.
Mais souvent, c'est bien d'avoir des rappels, des choses comme cela. Et moi, bon, ce qui vraiment m'a vraiment aidé, c'est que parce que les gens m'énervent souvent. Pas que les gens me disent que quand tu veux me vivre avec moi, tu veux me dire un mot, tu me dis un mot, et tu sais, je suis contente comme ça, tu me dis un mot, tu sais, je te lance un mot vraiment pour me défendre. Voilà, donc ça m'a vraiment aidé à me. Je te respire. Alhamdoulilah, Rabbil. Qu'est-ce que je dois apprendre dans cette situation-là? Qu'est-ce que cette situation-là est là pour m'apprendre? Amen. Faut que tu te réveilles, n'a pas le moyen. Faut que tu te réveilles, n'a pas le moyen. C'est moi, réveille. Ils sont. Faut pas dire que non, on a maintenant, puis la faire foutre. Non, 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 non. Mais, ça veut vous dire que bon, il faut grandir, quoi. Il faut grandir. Et vraiment, ceux qui comprennent l'anglais, je vais essayer de mettre leur nom. Vous pouvez aller vous inscrire, vous pouvez aller apprendre. Vraiment, je vous encourage. Et je vais voir si je peux. J'ai un problème d'émotion et je me donne une étiquette. Je me donne une étiquette assez négative dans la partie que j'ai appris, quoi. J'ai un problème d'émotion, avec que je émotionnellement, je suis pas mature. Émotionnellement, je suis pas mature. Je suis très très immature. Je suis pas prêt, c'est pas fier de le dire. Avec dit que je crée des barrières autour de moi. Hein? C'est bon. Il faut quand on apprend, quand tu apprends quelque chose, quand tu apprends quelque chose. On te dit que je suis il déjà avoir 14 c'est quoi? Ce que j'ai retenu, c'est que j'ai un problème d'émotion, mais seulement je ne suis pas assez mature. Je me donne des étiquettes négatives, voilà, et je mets des barrières autour de moi pour me protéger. Puis voilà, c'est comme ça que j'ai retenu ce qu'ils ont dit. Mais bon, là-bas, on apprend même à changer, qu'il y a étiquette changée, quoi. On va dire que je m'énerve vite. Mais je suis pas bonne, non, pas contre moi, je dis pas que je suis pas bonne, bon, I'm awesome, you know what I'm saying? Fais mes clés l'année, la situation dans laquelle tu vis actuellement, que tu n'aimes pas et que tu penses que c'est pas juste, voilà, Dieu est très juste, obviously, allez m'appliquant. Donc il y a une leçon à retirer là-dedans, il y a une leçon à tirer là-dedans, dans toute situation, il y a une leçon à retirer. Il y a une leçon à retirer. C'est à toi de savoir quelle est la leçon à retirer. Tu passes l'examen et tu passes à autre chose. Tu vois? Et si tu ne passes pas l'examen, tu ne retiens pas la leçon, ça va toujours se répéter. 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 Tu vas vivre comme cela dans la tristesse. Dans la tristesse, tu vas pas grandir, en fait. J'ai vraiment aimé ça. Je savais ça. Bon, souvent, on sait les choses. Amen. Qui va se négliger. Non, donc, mais ce que j'ai retenu, deux choses que j'ai retenu, plusieurs choses. Chaque jour, j'ai retenu quelque chose. Mais mon problème de je parle rapidement, je n'articule pas. Ça, c'est quoi? C'est quand je dis ça à titre informatif. Ouais, je dis ça pour informer les gens qui m'écoutent et pour me rappeler de ne pas être assez rapide. Chaque fois que je dis ça, c'est pour moi, mais je puisse me rappeler. Vous voyez? Donc, ah, c'est pas, je pense que c'est pas trop mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est quand je dis oh, j'aime pas foutre, oh, t'es connu là, non, moi je te bloque. Ça, c'est pas vraiment nécessaire. Je pense que ce sont négatives, pas vraiment nécessaire. Donc j'ai appris ça là-bas. J'ai appris aussi que bah, je suis très rapide. Quand tu me parles mal, je te réponds. Mais là-bas, non, 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 non. Du coup, donc, il est là. Quand quelque chose t'arrive, tu attends, tu dis, je respire, tu dis, Alhamdoulilah, c'est ce qui t'arrive là, c'est venu pour t'apprendre quelque chose. Si je peux vraiment apporter un peu de les informations sur ma page, vous pouvez suivre ceux qui comprennent l'anglais, vont les suivre ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Que si c'était, je vais pas laisser toi tomber, je vais vraiment essayer vraiment d'envoyer d'autres choses vraiment pour que vous puissiez how to deal with your different issues, que ce soit la tristesse, l'envie, la jalousie. Il y a des outils, il y a les outils quoi. Il y a des outils, il y a des manières de point aux différents issues. Il avait dit que savoir, un exemple, je donne un exemple, ça, c'est bon. Moi, quand je prends une classe comme cela, et que la classe me donne le programme de la classe, je vais faire d'autres recherches pour savoir plus. Je reste pas focalisé sur ce qu'on m'apprend seulement. Si on me parle des émotions, je vais sur l'internet, je vais chercher tout ce qu'il y a à savoir sur l'émotion. Je vais prendre une semaine, un mois, tout ce qu'il y a à savoir sur les émotions, je dois savoir. Donc, imaginez-vous actuellement, mon cerveau est bien comme cela. Tout ce qu'il y a à voir avec émotion, j'essaie de comprendre actuellement.
emotionally, emotionally strong, emotionally unstable, emotionally vulnerable, emotionally depressed, emotionally, j'essaie vraiment de tout capter. Quelle est la différence entre chaque émotion? Ça veut dire que quelqu'un qui est émotionnellement intelligent, quelqu'un qui est émotionnellement intelligent, quelqu'un qui est émotionnellement fort, quelqu'un qui est émotionnellement fort, c'est le meilleur. Ça veut dire que, à l'école, on a qui là, tu peux prendre, tu te comprends, tu te comprends toi-même, tu comprends chez les autres aussi. Et obviously, we all have that issue, right? On a tout ce problème-là. Parce qu'on a tendance vraiment à s'emporter, même les imams, la foule. Pour s'emporter, ensuite, non, tu te calmes. Tu sais, ne comprends pas. Quelqu'un qui est émotionnellement strong, avec quelqu'un qui est émotionnellement capable, strong, avec fort, quelqu'un qui est émotionnellement capable, avec la personne a. C'est un process, quoi. Pas quelque chose que tu forces. Alors qu'on aura mort, demain, on aura bail, quoi. Mais c'est quelque chose que tu dois apprendre, tu dois développer, en fait. Là, tu dois développer, tu dois apprendre. Et ça t'aide vraiment à. Ça t'aide vraiment à overcome. Ça t'aide à. Aller de l'avant dans ta vie, quoi. Qui a dit un la très honoré. Voilà. Émotion de chance, c'est le last. Ça veut dire que c'est le. Bon, parce que je connais Soufa. Ça veut dire que. Il qui est long. Voilà, il est long. Mais il est mort au long. Donc ça t'aide vraiment à demander un honoré, quoi. À demander un honoré, c'est un honoré. Vous voyez qu'on a même ce problème-là, tout ce problème dans la communauté. Vous voyez, vraiment les clashs, les insultes sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont émotionnellement instables. Ils sont émotionnellement instables. Ça, le problème. Donc vraiment c'était mon nom Madame Javi, je vous remercie beaucoup de partager la vidéo. J'ai toujours su que j'avais un problème d'émotion mais je me suis dit que Allah la jabili, on va faire avec, on va bouger avec. Ça ne m'a jamais vraiment empêché de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler, je parle. Voilà, ça m'a jamais moi je suis pas du genre à faire je suis trop triste, oh my god, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais pas comme c'est là. Je suis, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Ça m'a jamais empêché de m'exprimer. Ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Mais maintenant, pourquoi est-ce que j'essaie vraiment pourquoi j'essaie de changer en fait? C'est parce que je vois que, j'ai vu que ça affectait mes enfants, mon époux. Et comme je publie des choses, comme je suis sur les réseaux sociaux, quand les gens me contactent, et les choses que les gens disent sur mon vocal, sur mon inbox, sur mon WhatsApp, qui piss me off, m'énerve. Qui m'énerve. Et aussi, j'ai appris aussi que, pas maintenant, là, j'ai appris ça il y a assez longtemps, c'est que tu ne dois pas laisser les gens contrôler comment est-ce que ta journée se passe. Voilà, tu ne dois pas laisser les gens contrôler ta journée, en fait. Tu dois pouvoir être au contrôle de tes émotions, être au contrôle de ce que tu ressens en fait. Donc, comme moi, si quelqu'un vient comme ça me dit, oh, ta page est nulle, tu me dis n'importe quoi, automatiquement, dit maintenant, tu as foutu, tu es malade ou quoi? Et ça, c'était avant quoi. Je dis, mais attends, il est malade. Donc, souvent, je me sens triste en fait. Je me dis que, mais pourquoi il ne comprend pas? Ça me rend triste en fait. C'est pas comme si ça m'énerve. Mais ça me rend triste. Ça me rend triste que je n'ai pas à comprendre que j'essaie vraiment de apporter un message pour les aider. Donc, toutes ces émotions-là, ce sont aussi des émotions. Vous voyez, donc ça m'affecte. Je vois aussi les marabouts et choses comme cela, les menteurs-là, ça m'affecte. Ça fait que je suis. Mes émotions sont mes émotions sont bousillées, quoi. Voilà. Je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Donc, ça fait que ça affecte. Ça a un impact assez négatif sur sur mon articulation des mots. Vous voyez que ça n'arrange rien du tout. Avec un temps normal même, je n'articule pas. J'ai un problème de me calmer en temps normal. Voilà. Maintenant, rajouter quelque chose comme ça là-dessus, c'est gâté. Vous voyez? Donc, je dis bon, c'est quoi, Mouna? You can't live a life like that. On ne peut pas vivre comme cela. Donc, tu dois vraiment essayer de voir ce que tu peux faire pour contrôler ça. Donc, voilà. Ça nous a donné une porte de sortie. Hein. Quand tu es énervé, tu te calmes. Tu respires. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu dis Bismillah, Rahman, Rahim.
Si tu as arrêté de t'asseoir, si tu t'assis, tu te couches, tu fais ton aversion, tu bois de l'eau, tout ça. Tu dois faire tout ça. Tu savoir tout ça et mettre en pratique, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, il y a des classes qui sont offertes, voilà, pour t'aider vraiment à développer certaines habiletés. Voilà. Donc, la communauté africaine, on n'aime pas trop dépenser pour apprendre les choses. En tout cas, moi, je vous encourage à développer. En tout cas, allez chercher. Moi, en tout cas, je vais aller chercher pour moi. Je vais chercher pour moi. Je vais chercher vraiment à savoir plein de choses my nafs, voilà. Donc, that's my journey right now. Donc, je vais essayer de documenter mes progrès et tout, Inch'Allah. Donc, c'était ça. Salam alaikum.